tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense. I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. I couldn't see where you coming from, but I knew just what you running from. Et bienvenue dans cette nouvelle émission du bprd.centerblog.net, le seul blog de l'univers entièrement dédié à Hellboy et à tout ce qui tourne autour. Et ça aussi un BPRD, blablabla, tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une sortie, tout ce qu'il y a de plus récent, puisque nous sommes là aujourd'hui vendredi. C'est sorti mercredi, nous sommes le 24, donc c'est sorti mercredi 22, donc il y a, voilà, il y a deux jours, de Lobster Johnson, The Prayer of Neferu, oh, gloire à toi, oh Neferu. La prière de Neferu, c'est donc un one-shot, le premier one-shot estampillé Lobster Johnson, donc c'est vraiment une grande première, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous avions eu droit à deux grosses mini-séries de 5 numéros chacun, chacune. La première, The Iron Prometheus, et la deuxième, bah, il n'y a pas très très longtemps, The Burning End, dessiné, et d'ailleurs révélation pour Tanzi Zonich, le dessinateur de cette mini-série, qui signe pour le coup la couverture, mais uniquement la couverture de ce numéro, puisque l'intérieur est dessiné par un nouveau venu dans le Hellboyverse, monsieur Wilfredo Torres. Donc on va en profiter, petit tour du propriétaire, donc toujours scénarisé par Mike Mignola et John Arcudi, donc la couverture. Tanzi Zonich, les couleurs de la couverture également gérées par Tanzi Zonich et l'intérieur, donc comme je vous l'ai dit, par Wilfredo, voilà, c'est ça, Torres, et les couleurs par Dave Stewart. Bon alors, qu'est-ce que ça nous donne? Bah personnellement, je suis pas ravi, non, pas ravi du tout même. Pour un premier one-shot Lobster Johnson, je m'attendais peut-être un petit peu mieux, surtout pour un one-shot qui sort après The Burning End, qui est une mini-série vraiment excellente du début à la fin. Et ben là, c'est un petit peu bas de plafond, c'est pas super excitant, c'est pas super dynamique, c'est un peu chiant, c'est un côté, on va dire, un peu cartoon qui ne s'y est pas vraiment à Lobster Johnson, surtout après ce qu'on a pu voir dans The Iron Prometheus et The Burning End, où les deux mini-séries étaient vraiment traitées sur un fond très très sombre, très très noir et très très sérieux. Là, c'est clairement le one-shot, en fait, qui est là juste pour combler calendrier entre un gros projet et un autre gros projet. Donc, ça sert un petit peu à rien. Donc, alors, de quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous raconte les mésaventures d'un groupe de riches vieux, de vieux riches, qui, au lieu d'organiser un barbecue tous les dimanches, histoire d'amener les potes et de parler de choses intéressantes, bah, eux préfèrent organiser des sortes de veillées funèbres à thématique sorcellerie et compagnie. Et là, en fait, bah, ils ont tout simplement dans l'idée de ressusciter, une vieille momie égyptienne. Donc pour ce faire, ils invitent à la surprise partie la princesse Neferu, donc la Neferu du titre The Prayer of Neferu, afin de mener à bien la cérémonie. Mais voilà, ce serait mal connaître Lobster Johnson, avide de justice qu'il est, qui débarque au milieu de la teuf avec ses deux gros guns, toujours en mode vénère, hein, ressentez la pince. Première phrase, de toute façon il y a toujours une phrase coconne comme ça lorsqu'il débarque quelque part. Donc avec ses deux gros flingues, il commence à buter tout le monde, normal, hein, il se prend pas la tête. À ce moment-là, il tombe direct sur le boss de fin de niveau, donc il va tomber, on va dire, à ce moment-là, sur sa Némésis, une sorte d'énorme gaillard, un mix entre la boule de Fort Boyard et qui aurait piqué le marteau de Thor, juste pour ce numéro-là. Donc le mec commence à vouloir mettre des nions à notre Lobster Johnson, regardez, c'est magnifique la séquence de bataille. Mais voilà, Lobster Johnson face à Mjolnir, je ne sais plus comment il s'appelle, le marteau de Thor, ne peut pas faire grand chose, donc il fait une chute, à en croire la page, il fait une chute de 300 mètres, mais lorsqu'on tourne la page, on se rend compte qu'il a juste fait une chute de 2 mètres, puisqu'il est dans le sous-sol du truc. À ce moment-là, on en apprend un petit peu plus sur les intentions de notre groupe, obscur groupe d'individus, puisqu'on voit donc notre la boule de Fort Boyard forger une épée dans un feu dans lequel se trouvent des crânes. Et on tourne la page et en fait c'est Neferu qui nous apprend
à ce moment-là que ses intentions à elle, puisqu'elle a été appelée par le groupe de riches individus afin qu'elle puisse ressusciter une momie, mais en fait son but à elle c'était de récupérer des momies prêtres à l'époque de l'Égypte ancienne, prêtres de Anubis, qu'on voit juste ici, donc pas le truc de Stargate SG1, non non, le vrai dieu Anubis quoi, le dieu vénère et compagnie qui jetait des éclairs sur les gens pour s'amuser, hein, je crois que ça c'est Zeus, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Donc des prêtres d'Anubis, voilà, qui ont été momifiés afin donc de les foutre dans un feu, de forger une épée avec ce feu, afin que l'épée ait des propriétés magiques. Ça c'est sympa. Ça c'est une idée bien funky qu'on doit à Mignola et Arcudi. Et à ce moment-là, bah, ce qui devait arriver arriva. Lobster Johnson se défait de ses liens, casse l'épée, prend l'épée et en voilà une bonne idée que voilà. Tue la boule, donc toujours la boule de Fort Boyard, avec cette épée. À ce moment-là, donc, la nénette Neferu dit à Lobster Johnson, mais vous auriez pas dû faire ça, mais vous êtes bête, vous avez cassé l'épée, vous avez planté l'épée. La même épée où je vous ai dit il y a 2 minutes qu'elle était possédée par l'esprit de 3 prêtres de Anubis. Parce qu'il devait arriver, arriva, la boule se transforme en une sorte de momie bizarre, chelou, un mix entre un zombie et une momie, si on en croit ce qu'elle raconte. Et il va tenter donc de manger notre Lobster Johnson. Et à ce moment-là, comme tout bon vieux film d'horreur des années 80, 70, ces trucs, à Indiana Jones, où il y a un prêtre qui tente de ressusciter quelconque entité maléfique que ce soit, bah elle se fait choper par les fantômes des prêtres qui brûlaient dans la forge dans laquelle ils ont forgé les... Donc elle se fait choper par les esprits, elle meurt, il l'emmène dedans, donc là il ne reste plus que Lobster Johnson et la boule momifiée. Mais vous allez voir, ça va aller super vite. Lobster Johnson donc monte les escaliers, donc remonte à l'étage duquel il était tombé au début du numéro, lorsqu'il s'était pris le marteau de Thor dans la gueule, va chercher, alors c'est moi qui le cache, voilà, sa ceinture qui était restée en haut, chope une grenade, la balance à la gueule de notre momie. Notre momie explose, Lobster Johnson fait un bond en avant, on tourne la page et c'est la fin du numéro avec l'éternel montage, on va dire, où on voit donc les victimes de Lobster Johnson, on voit donc des invitations à la soirée égyptienne et dans le tas d'invitations, donc la signature de Lobster Johnson, la preuve comme quoi il est passé par là et il a fait le ménage, une carte de visite avec la pince du homard gravée dessus. Et voilà, mes amis, c'est la fin de ce numéro. Donc alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas ravi, me direz-vous? Bah tout simplement, l'histoire est, comme je vous l'ai dit, bas de plafond par rapport au thème que Mignola et Arcudi ont pu brasser dans les 2 précédentes grosses mini-séries, donc thème qui tournait essentiellement autour du rôle de Vigilante de Lobster Johnson, l'arrivée dans l'univers de Lobster Johnson du Hellboyverse, donc c'est-à-dire des esprits, des nazis, des monstres, à proprement parler, et ben là pour le coup on se retrouve vraiment avec une sorte de fait divers, petit fait d'armes qui apparaîtrait en tout petit en bas du CV de Lobster Johnson, tout simplement une meuf qui veut ressusciter une momie, et une momie qui fait même pas peur en plus de ça, la meuf qui se fait tuer comme une conne par les fantômes qu'elle avait cramé pour forger une épée maléfique, Lobster Johnson qui prend l'épée maléfique et qui plante un mec avec, enfin complètement incohérent. Et Lobster Johnson qui fait sauter le tout avec une grenade. Donc le premier, moi, gros point sur lequel je suis pas content du tout, c'est qu'à l'époque, il y aura peut-être un mois et demi, lorsque Dark Horse avait publié le synopsis officiel de ce one-shot-là, le synopsis commençait par une phrase toute bête, mais hautement excitante. La confrérie héliopique d'Aura organise une soirée à thématique égyptienne et Lobster Johnson va foutre le bordel dans cette soirée. La confrérie héliopique d'Aura. Donc ça nous est mentionné. Pardon, dans le one-shot, elle nous le dit, oui, cette bête confrérie que j'ai usurpée en volant leur momie, ils n'ont été que mes pions au cours de cette histoire. Ouais, ok, c'est bien sympa, mais donc du coup, la confrérie héliopique, en fait, c'est juste les 3 connards qui sont butés au début de la mini-série, et le cadavre, la mini-série du one-shot, et le cadavre qu'on voit à la fin. Et tout le reste, en fait, c'est juste une meuf qui décide qu'elle a la bonne idée, en fait, de réveiller des esprits afin de forger une épée, afin de contrôler le dieu Anubis. Et la confrérie héliopique, n'est pas là en fait, elle est juste là en filigrane, c'est juste la confrérie qui amorce l'histoire et qui conclut l'histoire via des Maccabées, mais rien de plus quoi. Et ça, c'est un petit peu ça pue l'arnaque, ça c'est vraiment de l'arnaque, donc je suis pas d'accord là-dessus. La confrérie héliopique de Ra apparaît dans Witchfinder, apparaît dans Hellboy, apparaît dans BPRD, est connectée directement à Panya, un personnage sur lequel on ne sait toujours rien à l'heure actuelle. Là, on avait un one-shot qui se passait dans les années 30, donc d'un point de vue.
historique, temporel, ça pouvait coller avec l'histoire de Pagna, la confrérie de Pic-Dora, donc on était encore connecté à l'histoire de Pagna, la soirée thématique égyptienne Anubis et compagnie, donc on était encore connecté à Pagna, parce que Pagna a vécu à l'époque de l'Égypte antique, et c'est même là qu'elle a eu ses pouvoirs. Et ben Pagna est complètement esquivé du one-shot, surtout qu'il n'y a pas très très longtemps, Scott Ali avait dit oui, ça va peut-être parler de Pagna, il y aura peut-être un lien avec elle, donc lisez ce one-shot, ça va être pas mal, mais il n'y a aucun lien qui est fait avec elle, donc c'est de l'arnaque, c'est vraiment de l'arnaque, il y a eu beaucoup d'annonces, il y a eu beaucoup, enfin un effet d'annonce vraiment savamment dosé, savamment traité pour nous faire croire des choses qui au final ne sont pas arrivées. Et au final, bah, on a un truc qui ne vole pas très très haut. Graphiquement en plus, j'ai rien contre Wilfredo Torres, hein, c'est la première fois que j'ai affaire à lui. Ce qu'il fait est sympathique, mais ce qu'il fait est un peu bancal. Je pense notamment, par exemple, un truc tout con, c'est la boule qui se mange, regardez bien, qui se mange une balle dans la joue, et la case d'après, donc qui est juste là, la blessure par balle a disparu. Ou alors par exemple un truc tout con, mais vraiment, mais qui m'a pas qui m'a horrifié, mais qui m'a fait dire non mais enfin au bout d'un moment faut arrêter les mecs. C'est donc la momie qui apparaît. Donc à ce moment-là le trouillomètre normalement est censé être à fond. Si tu regardais la gueule du machin, il a pas l'air super sympathique. Lobster Johnson donc lui donc décide de se barrer pour récupérer sa ceinture et lui jeter une grenade dans la gueule. Mais regardez sa réaction. Regardez la case, regardez-le monter les escaliers. Non mais là, franchement, sincèrement, là, le mec, il va juste chercher un couteau pour couper du saucisson, là. Non mais c'est, enfin, il a pas une momie au cul, il a pas une momie à faire exploser. Le mec, il est tranquille, pépère, quoi. Zut! Je te rappelle, c'est affreux. Donc c'est pas dynamique, c'est vraiment lent, c'est vraiment calme, ça révolutionne rien, c'est pas excitant, c'est pas emballant, c'est clairement un truc qu'on va foutre dans un TPB entre deux grosses histoires, espèce d'entracte tout moisi qu'on sera bien content d'avoir dans un TPB parce que voilà c'est une petite histoire légère et compagnie, ça vole pas où, mais que lorsqu'on achète ça à 3,50€ et qu'en amont on nous fait croire qu'il va y avoir la confrérie de Pic-Dora, va y avoir Pagna et va y avoir des révélations de ouf, bah là non, rendez-moi mes 3,50€, un ticket restaurant si vous voulez, mais rendez-les-moi. Donc voilà ce que j'avais en pensé, voilà ce que j'avais à en dire. Donc si vous l'avez pas acheté, vous vous posez la question de savoir est-ce que je vais l'acheter, bah franchement esquivez-le, attendez le TPB qui intégrera cette histoire dedans. Et puis bah pour les autres, bah je pense que comme moi vous avez dû être légèrement déçus par cette histoire. Mais voilà. Donc en attendant la prochaine émission, bah écoutez, bah prenez soin de vous, faites pas les fous comme d'habitude, et puis bah je vous dis à la prochaine sur le blog, et puis bah ciao ciao. Allez, salut tout le monde, salut.